J'aimerais qu'on parle dans cette vidéo de motivation. Comment réussir à se motiver et à le rester durant les périodes où on est moins motivé que d'autres. Et surtout maintenant, je pense qu'on le vit quasiment toutes et tous. On est plus sujet à modification de la motivation. Il y a des jours ça va bien, d'autres ça va moins bien. Update numéro 1. Les salles de sport ont fermé dans le canton de Vaud, c'est officiel. J'ai balancé la vidéo, je crois, dimanche soir à 18h, genre à 20h ou 21h. On apprenait que les salles de fitness étaient fermées dans le canton de Vaud. Ça fait clairement chier, franchement. J'étais méga motivé, j'avais fait un gros programme training vraiment basé à fond sur le fitness. Du coup, faut s'adapter, on n'a pas le choix, faut avancer malgré ça. Sinon, update numéro 2, je suis maintenant en plein jeûne intermittent. J'ai droit de prendre du café, du thé et de l'eau durant les périodes de jeûne. Pas de bouffe, pas de nourriture. Donc là maintenant il me reste encore 4h17 et je pourrais recommencer à manger. Ça fera environ 12h30 et je vois clairement une différence. Franchement je me sens bien moins ballonné, je me sens mieux dans mon corps. C'est con à dire mais vraiment je kiffe trop faire ce genre de jeûne. Pour aujourd'hui, programme assez chargé. J'ai deux choses principales dont on va parler ensemble dans cette vidéo. La première ça va être les cartes de vœux. Je dois envoyer avec Der des cartes de vœux à tous nos clients, amis, partenaires. Pour leur dire merci pour la confiance qu'ils ont eu en nous. Et la petite spécialité, c'est que chaque carte sera écrite à la main de manière individuelle et personnalisée. Et surtout, on parlera ensemble dans cette vidéo de comment se motiver et le rester. Je vais vous passer un petit peu les conseils que j'applique moi au quotidien pour essayer de rester motivé malgré les difficultés, malgré les imprévus, malgré les hauts et les bas. Il y a des petites méthodes, c'est très simple, mais qui sont pourtant très efficaces pour vraiment garder son cap, être sûr de soi et ne pas être démotivé. J'ai une nouvelle super triste à vous annoncer, mais vraiment très triste. Il y a Loïc, vous l'avez vu des fois sur les vidéos, qui a maintenant terminé son stage à l'agence Der. C'était un stage de 6 mois qui se terminait du coup fin décembre. Franchement, on a vraiment kiffé travailler avec lui. C'était super cool, c'était un gars mais génial, vraiment talentueux. Franchement, il a bien bossé, il a délivré plus que ce que j'attendais. Et franchement, c'est vraiment trop reconnaissant d'avoir pu travailler avec lui. C'était un peu dur de se dire au revoir sur la fin là. Parce que je dois avouer qu'on a quand même passé des moments assez forts ensemble. Donc malheureusement, on n'a plus à l'agence. Il a recommencé son école marketing. C'était vraiment juste une période de 6 mois de stage. Mais du coup, vous risquez de ne plus le voir dans les vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste qu'il a fini son stage. J'ai préparé les repas justement, comme je l'avais dit, en mode meal prep. Pour midi, c'est des patates douces, paprika avec du poulet. Attends, je l'ai fait à quoi le poulet? Du poulet à l'ail avec des brocolis. J'ai aussi fait pour l'après-midi des smoothies, ananas, avocat. Franchement, c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Mais trop cool. Du coup, c'est vraiment un vrai gain de temps, un gain d'argent aussi. Et vraiment, je me sens, ça fait 2 jours seulement, mais je me sens déjà maintenant physiquement plus fit et mieux dans ma tête. J'aimerais qu'on parle dans cette vidéo de motivation. Comment réussir à se motiver et à le rester durant les périodes où on est moins motivé que d'autres. Et surtout maintenant, je pense qu'on le vit quasiment toutes et tous. On est plus sujet à modification de la motivation. Il y a des jours ça va bien, d'autres ça va moins bien. On est sujet aussi à beaucoup d'évolutions dans notre environnement, ce qui fait que du coup on est moins imperméable aux imprévus et aux changements d'humeur qu'on pourrait avoir tous les jours. La motivation, c'est un état, c'est un sentiment, c'est une émotion qu'on a en nous et on peut clairement l'influencer. On peut réussir à se remotiver dès qu'on ne l'est pas. Et moi, ce qui m'intéressait à fond à l'époque, en tout cas encore maintenant, c'est de comprendre ce qui faisait en fait qu'il y ait des moments où je sois très motivé, où vraiment j'ai l'inspiration à fond, l'envie de faire plein de choses, et d'autres moments où, au contraire, j'ai envie de rien faire, je suis démotivé, j'ai envie de traîner au lit et de ne pas bouger. Donc on a tous des périodes où on est moins motivé que d'autres, c'est humain, c'est normal, donc je pense que c'est même bien d'avoir ces périodes, en tout cas moi, je les prends vraiment à bras ouverts. Maintenant, je pense que c'est important de réussir à en sortir. Et c'est bien là que la différence va se faire. On peut accepter ces périodes de démotivation, mais il faut tout le temps garder en tête qu'à un instant, il faudra en ressortir. Il y a un instant, il faudra se mettre en mouvement, passer à l'action, on n'a juste pas le choix. Maintenant, comment remarquer dès qu'on est démotivé? Comment remarquer dès qu'on perd la motivation? Il y a un indice qui trompe jamais, c'est les fausses excuses. Et à chaque fois que je suis démotivé, à chaque fois que j'ai pas envie de faire un truc, je trouve tellement d'excuses débiles, vraiment qui ont juste pas de sens en fait dans la situation. Et je les ressors pour me rassurer, pour me réconforter à me dire « Ok, j'ai droit de ne pas faire cette chose, j'ai droit d'être démotivé. »
pour telle excuse. L'exemple parfait, je dois finir par exemple pour demain un dossier pour un client, je me dis ok, je le ferai ce soir à la maison, du coup je rentre à la maison, je soupe, et à l'instant que je dois commencer à faire le dossier, je vais me dire ouais mais attends mec, t'as quand même beaucoup bossé aujourd'hui, t'as bossé quasiment 10 heures de la journée, ok du coup t'as bien droit à une soirée tranquille, tant pis, tu le feras demain. Excuse bidon, je repousse ça demain. Autre exemple parfait, il y a quelques jours en arrière, je scrollais sur les réseaux et après environ une heure de temps perdu, je me dis bon mec, franchement, allez, remets-toi à fond au boulot, commence à bosser. Et là, je me trouve cette excuse bidon de me dire attends mec, franchement, ça fait du bien des fois de déconnecter un peu. Allez, tranquille, fais encore un petit peu. Excuse débile, bidon, est l'indice parfait que je suis démotivé. Le problème, c'est que c'est une vraie spirale, en fait, la démotivation. Et moins on est motivé, plus on va trouver d'excuses qui vont justifier cette démotivation. Et vraiment, en fait, on s'enfonce au fur et à mesure. Et il y a un instant où on peut presque ne plus avoir envie de bouger. Et ça m'est arrivé juste avant les fêtes de Noël, où c'était un matin, mon réveil a sonné, je pense, mais pendant quasiment 2 heures. Et dans ma tête, c'était impossible de me réveiller. Je repoussais à chaque fois l'excuse à me dire « Ok, j'ai le droit de dormir un peu, ça fait du bien de me reposer un petit peu. » Et maintenant, comment réussir à se motiver? Comment réussir à se secouer et à se mettre en mouvement? Pour moi, il y a deux phases principales. La première, c'est une mise en mouvement, on va dire psychologique, dans la tête, dans les pensées. Et pour se mettre en mouvement dans les pensées, il n'y a rien de plus puissant que de se rappeler de sa vision. Se rappeler ce qu'on veut réussir à accomplir dans la vie de tous les jours, les rêves qu'on a, les ambitions qu'on a. Et se demander si l'état qu'on a actuellement va être celui qui nous permettra demain d'accomplir cette vision et ces ambitions. Si la réponse est non, bah rien que là dans notre tête, on aura déjà une sorte d'indicateur pour nous dire « Mec, maintenant faut que tu te bouges, tu dois te motiver. » Par exemple, vous êtes médecin, vous tapez des cours avec plein de lectures, de théories, de livres à lire, ça vous saoule, vous en avez plein le cul. Fermez les yeux, voyez-vous en train d'être médecin, de faire le job de vos rêves et de vous dire « Ok, maintenant est-ce que votre démotivation, est-ce que votre tendance à baisser les bras maintenant va être l'état d'esprit qui vous mènera là où vous voulez aller ?» La réponse sera clairement non et ça risque de vous donner une première impulsion psychologique. Et pour moi, en tout cas personnellement, vraiment j'ai cette vision en tête d'avoir des bureaux avec un logo d'air dessus, de rentrer dans ces bureaux, d'avoir une équipe, plein de personnes qui bougent, il y a du bruit, il y a de la vie, des ambitions, il y a une vraie passion qu'on peut ressentir, qu'on peut réussir à palper. Et cette vision, je l'ai tellement en tête que dès qu'il y a un instant où je suis démotivé, dès qu'il y a un instant où j'ai pas envie de travailler, je ferme les yeux physiquement et je me vois dans cette vision, je me vois en train d'accomplir ces ambitions et je me dis maintenant, est-ce que cette phase de démotivation va me permettre ou pas d'y arriver? La réponse est non. Et à chaque fois, c'est un petit coup de pied au cul pour me dire mec, maintenant, allez, bouge-toi. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à se mettre en mouvement de manière psychologique dans les pensées, il faut se mettre en mouvement physiquement. Clairement, se lever et faire une action, mener une action pour créer une inertie. Et l'exemple parfait, c'est maintenant, en faisant cette vidéo, je dois faire ces cartes de vœux. J'ai une petite centaine de cartes à écrire à la main. Ça va me prendre quasiment 4 jours, je pense. Et vraiment, c'est pas que ça me fait chier, mais je sais que ça va prendre du temps. Je sais que c'est une grosse charge de travail à faire. Et je me dis, ok, je le ferai demain, c'est pas urgent, j'ai le temps de le faire. Et bah, juste avant, je me suis dit, ok, maintenant, bouge-toi à fond de cul. Donc, j'ai fait cette mise en mouvement psychologique et ensuite, mise en mouvement physique. Donc, littéralement, j'ai pris mes AirPods dans les oreilles, une musique qui m'inspire, qui motive. J'ai pris la voiture, je suis parti, je suis venu ici à Lausanne, à la cathédrale. Et je me suis dit, marche un instant, prends l'air, change-toi un peu les idées, changez un petit peu d'air et de mettre en action. Donc, c'est pas l'action de faire ces cartes de vœux, mais je passe par une autre action. Une petite action qui va demander peut-être moins d'efforts en termes de motivation, mais qui va me mettre en mouvement. Et en fait, cette mise en mouvement, ça crée une inertie. Et dès qu'on est en mouvement, dès qu'on a un petit peu cet élan, il faut en profiter pour du coup après faire ce qu'on doit faire. Et c'est vraiment tout con, ça peut être mettre de la musique, ça peut être se tirer un café, se tirer un thé, ça peut être juste sortir, prendre l'air, ça peut être faire 5 pompes, c'est juste se mettre en mouvement. Mais attention, il y a une règle à bien suivre, à bien respecter, c'est de ne pas briser ce mouvement. Si maintenant on crée un mouvement, qu'on va créer une inertie pour pouvoir passer à l'action, si maintenant, bah par exemple maintenant je rentre au bureau et je reprends mon téléphone pour aller sur YouTube, sur TikTok, sur Insta ou peu importe, je vais briser cet élan et ça va être super dur après cette cassure, on va dire, de recommencer à bosser. Donc trouvez des réflexes et à chaque fois que vous aurez un instant de démotivation, mettez-vous en mouvement de manière psychologique dans vos pensées en vous rappelant vraiment cette vision et vos ambitions. Et ensuite, mettez-vous en mouvement de manière physique en passant par une chose qui va demander moins d'énergie pour du coup créer cette inertie, créer ce mouvement, créer cet élan pour ensuite, par la suite, faire la tâche que vous devez faire. Maintenant, c'est clair que je dis pas qu'on est des machines, on peut pas être H24 motivé, H24 proactif, H24 productif. C'est clair qu'on est humain, on a des émotions, des moments où on est bien, moins bien, on est aussi sujet à notre environnement externe. Donc,
Il faut des fois accepter ces périodes de démotivation, c'est important. Maintenant, ce qu'il faut, c'est écouter son corps, clairement, on a besoin de repos, c'est sûr, mais la différence va clairement se faire dans ces périodes de démotivation. Et dès qu'on est démotivé, il faut l'accepter, mais il faut réussir à passer par-dessus. Et c'est là que la différence va se faire entre les personnes qui vont malheureusement tomber un petit peu dans ce gouffre de démotivation, qui vont baisser les bras, des personnes qui vont justement réussir à se remotiver. Après, je pense que la chose qui nous démotive le plus, qui nous détourne le plus notre attention de ce qu'on doit faire, c'est le téléphone. Et franchement, je le remarque moi à chaque fois. Mon téléphone, c'est un truc qui me prend tellement de temps et je peux très vite, très facilement tomber un petit peu dans une routine de scrolling où je suis sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Et vraiment, je scroll. Et en fait, plus je scroll, plus je vois mon énergie, ma motivation vraiment se faire happer par les réseaux, par mon téléphone, et à la fin, après avoir scrollé, j'ai juste zéro motivation. Donc faites un test, si maintenant vous sentez que vous êtes démotivé, posez votre téléphone et instaurez-vous cette règle de ne plus le toucher. Et je vous jure, après quelques minutes, vous vous lèverez, vous bougerez pour vous dire ok maintenant, je passe à autre chose. Voilà pour cette vidéo, maintenant vous saurez tout sur comment je me motive et comment j'essaye de le rester au quotidien. Si ça vous aura aidé, inspiré, impacté, dites-le moi en commentaire, laissez un petit like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dimanche pour l'épisode numéro 3 de la série. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. À bientôt. Ciao à tous.